Pape, c'est un joueur qui connaît super bien la maison, qui a été formé ici, et joueur de caractère, c'est un meneur, donc on avait besoin de ça. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir de le retrouver. Pape, c'est quelqu'un que je connais depuis un long moment, ça fait 16 ans maintenant, donc voilà, on se connaît par cœur. C'est surtout son match d'essai. On avait fait un match amical à Vendeuvre, ça devait être sûrement contre Vendeuvre, et il était partout sur le terrain. À l'époque, il était milieu défensif, et donc voilà, on a su de suite qu'il allait être pris, parce qu'il était déjà au-dessus du lot, et il taclait de partout, et voilà, c'était surtout ça que je retiens. Ouais, effectivement, ça nous fait plaisir de le retrouver. Il n'a pas changé, c'est toujours le même. Et je pense que ça va être un joueur important de l'effectif. Il l'était déjà avant de signer, en plus, parce que ça fait un moment qu'il s'entraîne avec nous. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup. C'est un joueur avec énormément d'expérience. Il a prouvé, il a fait une belle carrière. Et aujourd'hui, s'il a signé à la SNL, c'est pour apporter quelque chose en plus. C'est toujours été ça, Pape. Donc il arrive tout le temps avant tout le monde. Il vient faire ses exercices. Donc ça n'a pas changé, c'est quelqu'un de très professionnel et quelqu'un de très agréable à vivre, donc très gentil en dehors du terrain, parce sur le terrain c'est une autre histoire. C'est un joueur, un défenseur très agressif, donc on le connaît tous ici. Et voilà, c'est vrai, quand le décalage qui entre Pape sur un terrain et en dehors du terrain, c'est marquant. On dit de temps en temps que le groupe, c'est un groupe gentil, donc... qu'il faut que le groupe soit plus méchant. Je pense que ce Pape peut nous aider là-dessus, à franchir un cap, surtout pour les jeunes. Oui, il bosse toujours autant. C'est un professionnel vraiment exemplaire. C'est toujours le premier, toujours là en train de bosser, essayer d'aider les jeunes, donner des conseils. Il communique beaucoup. Et voilà, donc sur ce côté-là, il n'a pas du tout changé. C'est toujours, je l'ai toujours connu comme ça, en fait. Donc c'est bien pour l'équipe. Pas besoin d'intégration, parce qu'il est intégré depuis un long moment, avec les entraînements, avec nous les anciens. Avec Mika, on le connaît depuis un long moment. Donc voilà, je pense que ça va faciliter la tâche. Est-ce que tu as percé son secret pour une musculature aussi imposante malgré les années ? C'est travail tous les jours. Quand je le vois travailler chaque jour, donc voilà, il n'y a pas de secret. Vous allez être les arbitres.